au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la fête du Saint-Nom de Joseph. Nous sommes 8 jours tout pile après le 20 juillet, la fête de sa nativité. Et comme vous le savez, dans la tradition hébraïque, c'est 8 jours après la naissance d'un enfant que l'on donne le nom à l'enfant. Nous fêtons la nomination, j'allais dire, de Jésus le 2 janvier. Nous célébrons aussi le Saint-Nom de Marie le 12 septembre. Nous célébrons la circoncision de Jean-Baptiste 8 jours après sa naissance le 2 juillet. Et nous célébrons donc ce nom de Joseph. J'allais dire qu'il est grand et redoutable ce nom. Et pourtant, pendant longtemps, cela ne m'a pas marqué. Mais je l'ai expérimenté ici, dans ce sanctuaire, à plusieurs reprises, et notamment dans les cas d'exorcisme. Étonnamment, Saint Joseph, dans les rituels d'exorcisme, n'est jamais mentionné, sans que quand il y ait tel dessin, mais autrement, il n'était jamais mentionné. Et notamment dans l'exorcisme de Saint-Michel-Archange, qui est un exorcisme assez court, assez condensé, mais dont on se sert, j'allais dire, en premier et en priorité quand il y a un exorcisme, c'est le premier qu'on prend. Après, si ça ne se passe pas bien, on essaye d'autre chose, mais c'est souvent le premier et celui qui est très efficace. Et dans cet exorcisme, on récite plusieurs noms. On ordonne aux démons de partir au nom de la très sainte Mère de Dieu, au nom de Saint-Michel-Archange, au nom des saints apôtres Pierre et Paul, au nom de la Sainte Croix, mais pas au nom de Saint-Joseph. Et c'est étrange. Et on était ici dans un cas qui a été très marquant, qui a duré plusieurs semaines. Et lors d'une séance où c'était très compliqué, à un moment donné, le tableau n'existait pas, l'autel n'était pas encore fait. Saint-Joseph était posé ici avec le reliquaire devant lui. Et je me suis souvenu que dans la litanie de Saint-Joseph, il y avait une formule. Saint-Joseph, terreur des démons. Et c'était la troisième fois que je récitais cet exorcisme de Saint-Michel-Archange. Souvent, on répète régulièrement et plusieurs fois les mêmes prières. On va dire que vous enfoncez un coup, quand on n'y arrive pas, on insiste plus. Et j'étais à la troisième fois, et franchement, en face de moi, j'avais quelqu'un qui était de plus en plus nerveux, de plus en plus violent. On n'arrivait vraiment pas à le calmer, ça faisait plus d'une heure qu'on était dessus. On était à plusieurs. Et au moment d'arriver à part la très sainte Mère de Dieu, par Saint-Joseph, terreur des démons. Et là, mais immédiatement, la personne a relâché et ce qui était en elle a fui. Définitivement. C'était le dernier jour, c'était la dernière séance, c'était la dernière. Et alors là, plusieurs choses sont venues en tête. Merci. Et en même temps, mais wow. Pourquoi a-t-il un tel pouvoir? Qu'est-ce qui fait que... Et ça nous a trompé, qu'entre-temps on a fait la procession, en 2019 on a fait l'autel. Et quand on a commencé à travailler sur les fêtes avec le Père Ben, j'ai dit, faut qu'on fasse une fête du Saint-Nom de Joseph. Il me dit, encore une fête? On en fait plein. Je dis, oui, mais il y a eu ce jour-là. Il y a eu cet événement-là. Ça m'a marqué. Puis entre-temps, on avait demandé à Franck de dessiner l'icône de Joseph terreur des démons, que vous avez devant vous, que j'ai posé exprès ce soir devant l'hôtel, parce que il a une puissance. Mais même après, j'ai cherché à savoir pourquoi
pourquoi il avait une telle puissance en son nom. Car, comme le Saint-Nom de Marie, pourquoi célébrer cela? De même, ils n'ont qu'une puissance. Mais Dieu leur a donné cette puissance. Et Joseph, il a un mérite tout particulier, auquel on ne pense pas, et pourtant l'Évangile insiste là-dessus. Et c'est le livre de la consécration de 33 jours à Saint-Joseph, écrit par un prêtre américain, qui m'a fait comprendre cela. Joseph a exercé totalement et pleinement la plénitude de la paternité de Jésus. Pendant longtemps, on l'a fait passer, oui, pour un. Oui, bon. Mais je dis souvent, et c'est vrai que le père de l'Église l'en dit aussi, des fois en rigolant, le cocu magnifique. Voilà. Il est juste là pour la façade. Ben non, non. Jésus, enfant, vrai, Dieu mais vrai homme, avait besoin d'un père. Il lui fallait un père sur la terre. Dans la judéité, à l'époque, on ne pouvait pas concevoir qu'il n'y ait pas de père. Je l'ai déjà expliqué, une mère qui, dont son mari mourait, était transférée avec les meubles et la maison, dans les biens de son beau-frère. Elle était considérée comme rien. Il fallait un père à Jésus. Ça, c'était primordial. Et deuxièmement, le père, dans la religion hébraïque, a une fonction essentielle. Il nomme l'enfant. Et nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est le faire exister. Tant qu'il n'y a pas de nom, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu à l'époque des nazis, la première chose qu'on faisait aux juifs et à tous les déportés qui rentraient dans les camps, on leur supprimait leur nom. Ce n'était plus des numéros. Ce n'était plus des êtres humains, c'était des objets. Le numéro 747. Voilà. C'est tout. Nommer quelque chose, c'est le faire exister. C'est le rendre vivant. D'ailleurs, Dieu a donné ce pouvoir à Adam et Ève. À la création, il dit à l'homme, tu nommes les animaux et les plantes. Il leur a donné une existence. Et Joseph a ce pouvoir en tant que père, c'est lui qui doit donner le nom. Et l'ange Gabriel, quand il apparaît à Joseph, lui dit précisément, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, et à l'enfant tu donneras le nom de Jésus. C'est Dieu, c'est Joseph qui a agi. C'est Dieu le Père créateur qui a choisi le nom Jésus, qui veut dire Dieu sauve en hébreu, mais dans la loi de Moïse, dans la loi hébraïque, c'est Joseph que l'on considère souvent comme l'ombre du Père éternel. C'est Joseph qui a nommé Jésus. Et vous savez la puissance et la force du saint nom de Jésus. Saint Paul nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers. Et oui. Et c'est pour cela que Joseph a un tel pouvoir et que même son nom est devenu une bénédiction et devenu saint. Parce que c'est lui qui a prononcé le nom de Jésus au moment de la nomination de l'enfant, au moment de sa circoncision. Le rabbin se tourne, comment s'appellera l'enfant? Et Joseph a répondu, Jésus. J'allais dire, il a prononcé le premier exorcisme de la terre. Le premier exorcisme chrétien, c'est Saint Joseph qui l'a prononcé. Est-ce que le nom de Jésus est un exorcisme en lui-même? Après, c'était dur à mettre en œuvre. Mais il y a des fois où
comme si on avait un possédé, il faudrait répéter en boucle Jésus, 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 Jésus. Et ça marche. Et en fait, le premier qui a prononcé un exorcisme chrétien, c'est Joseph, puisqu'il a prononcé le nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers. Et c'est pour cela qu'il est glorieux de prier Saint Joseph. C'est pour cela qu'il est la terreur des démons. C'est aussi pour cela qu'il est de cette puissance que nous expérimentons tous les jours. Surtout ici, nous en avons encore expérimenté la grâce aujourd'hui par ces petits miracles qui nous font comprendre qu'il veille discrètement, mais sûrement, et qu'il est là. Donc oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à invoquer le Saint Nom de Joseph. N'hésitons pas à prononcer son nom, car il est une bénédiction sur la terre, une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront. Et j'irai même plus loin. J'ai encore parlé de cloche, cette circonstance en ce moment. Mais nous allons nommer la grosse cloche Joseph. Alors elle avait déjà été nommée, puisque nous l'avons récupérée, Philippe Nelly, un des saints préférés, d'ailleurs, ça tombe bien. Et je suis sûr que si je fouille, je trouverai un très beau lien ou une très belle parole de Philippe Nelly sur Saint Joseph. Je vais fouiller, mais on va trouver. Mais on va lui donner quand même ce nom de Joseph, car c'était le nom que nous avions prévu. Et je suis certain, c'est peut-être aussi pour cela qu'on essaie des fois de nous barrer la route, que quand elle sonnera, la cloche Joseph, son nom résonnera bien loin. Et ça sera aussi une bénédiction pour ceux qui l'entendront. Ça sera aussi une délivrance pour ceux qui seront oppressés par le mal. Car n'oublions pas que aux cloches, dans le rite traditionnel, on leur donne l'ordre de chasser les démons, de chasser les orages, de chasser le mal et la maladie. Ah oui, elles ont du boulot. Mais parce que les cloches, on les considère comme vivantes à cause de leur vibration. Et ce matin, on a expérimenté sur la cloche moyenne, ça vibre longtemps. Et la grosse cloche, tout autant. Donc oui, quand nous allons les nommer. Et c'est pareil, dans le rite de bénédiction des cloches, on nomme la cloche. Elle devient vivante. On demande quel nom voulez-vous leur donner? Comme à la circoncision, comme au baptême. C'est beau. Nous allons les rendre vivantes. Elles vont faire partie, j'allais dire, du clergé, car elles participeront à l'animation liturgique de l'Église, mais elles participeront aussi à communiquer au monde le message de Dieu. Et en plus, elles vont avoir les trois noms. Petit roi d'amour, puisque c'est Jésus, Marie et Joseph. Les trois noms les plus glorieux, les plus sacrés, les plus beaux. Alors que leur message se répand loin et que Dieu nous bénisse par les saints de Jésus, Marie et Joseph. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.